tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. J'ai fait quelques achats chez Nose et chez Action et sur le site Beauté Privée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'il y a des choses qui... je vais vous en reparler sûrement bientôt. Donc voilà, je voulais vous les montrer tout de suite avant qu'il y en ait trop. Et je sais que j'ai une promesse à tenir. Mais voilà, c'est des petites choses. Hein. Et puis après j'arrête, promis j'arrête. Donc on va commencer par, par Nose, pourquoi pas. Alors chez Nose, j'ai principalement acheté, je fais un peu de tout, un peu déco, un peu tout. Allez, on attaque. Première chose, j'ai trouvé ces tasses là, ces grandes tasses qui sont un peu style vintage on peut dire. Donc elles étaient à 1,20€ pièce, elles sont super grandes et en fait dessus vous avez une femme donc des années je sais pas, j'irais peut-être 60-70 et de l'autre côté une petite écriture un peu pop, voilà, sur lequel c'est marqué Lips to Mama, sur celle-ci qui est verte et celle-ci qui est violette évidemment, et c'est marqué Best Mama, et voilà, je les trouve très mimi, elles sont très chic, voilà, j'ai bien aimé. Je crois que c'est Aurore de la chaîne Sherry Nellart qui en avait acheté aussi, et je les avais trouvées sympas, donc comme je les ai trouvées, je les ai prises. Ensuite j'ai trouvé ces espèces de verres ou pots, non des pots, c'est plus des pots, qui étaient à 75 centimes. Ils sont en verre un peu givré, je pense que vous verrez. Et vous avez un petit motif, alors là c'est une feuille et hop, j'en ai pris trois en fait, deux identiques et un, je vais enlever le papier qui est dedans. Avec une feuille, avec un motif différent. Je ne suis pas sûre que vous voyez les motifs. Et en fait, j'ai envie de m'en servir comme peau à pinceau ou peau à maquillage pour remplacer les peaux blancs qu'on trouve un peu partout. Voilà, je l'ai trouvé sympa, un petit peu plus sympa. Donc voilà, j'ai pris cela, j'en ai pris trois. Occasion. Et puis au niveau des couches chez Nose, je crois que c'est tout. Alors, je vais faire une bêtise. Non. Alors, j'ai trouvé également du dissolvant. Je vais y arriver. Il est tard le soir et c'est pour ça. Qui était à 1,99€. Donc, 11,30€ le litre, c'était encore correct. Il est sans acétone et il a le flacon pompe. Donc, je trouvais ça pas mal. Il n'a pas l'air de trop sentir l'acétone. Donc ça, je vais l'essayer, puis je vous le redirai. Je pense que vous le reverrez dans mes produits terminés ou vraiment si c'est un super gros coup de cœur. Mais bon, en général, chez Nose, j'ai pas super gros coup de cœur. Ensuite, j'ai trouvé ces petits trucs-là. Vous savez, c'est comme du fil dentaire pour nettoyer entre les dents et faire sauter... Enfin, vous savez, en gros, ça remplace le fil dentaire, sauf que c'est un peu plus pratique à utiliser, parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression de me tordre dans tous les sens pour arriver à passer le fil dentaire. Il y en a 50 dedans, et ça valait 99 centimes. Je sais pas si c'est top, mais bon, au moins, comme j'ai plus de fil dentaire, ça tombait bien. Et on va passer aux soins donc chez Nose. Je vous ai déjà montré la gamme Viadermine que j'avais trouvée il n'y a pas très longtemps et que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il faut que je vous en reparle. Et cette fois, j'ai trouvé donc toujours de la marque Viadermine, le Lift Plus. Donc c'est une bébé mousse, c'est-à-dire que c'est une mousse teintée perfectrice anti-âge. Donc pas trop mal pour moi, même si je ne suis pas super vieille, mais enfin je ne suis pas toute jeune non plus. Qui a un effet retenseur et un fini mat velouté. C'est au procollagène et aux pigments minéraux. C'est une teinte naturelle et ça valait 2,99€. Et pour tout vous dire, j'ai pas ouvert. Je vais essayer de voir de plus près si je peux. Alors le pot est comme ça. Alors la couleur, elle a l'air assez foncée quand même, je trouve. Alors c'est cacheté, mais je vais l'essayer donc. Ça fait de la mousse. Ça sent rien. Je sais pas si vous allez voir. J'essaie d'en prendre un peu sur ma main. Enfin, sur mon doigt. Ça fait de la mousse, effectivement. Je vais la mettre là. Vous voyez, ouais, vous voyez. Et alors, ça a un fini mat direct sur ma main. Ça, il n'y a pas photo. Ça a bien unifié ma main, je trouve. Ça n'a pas l'air mal, ça. Fini mat et velouté, oui. Ça sent rien de particulier.
Par contre, ouais, j'ai la main, la vache. À voir sur le visage ce que ça donne. Mais ça m'a pas l'air mal. Bon, j'en ai plein les mains. Faudrait que je me nettoie les mains. Je Donc reviens, je là, me lave les j'ai mains. récupéré des lingettes et en fait, la lingette, elle est marron. Il n'y a pas photo. Par contre, ouais, c'est un fini velouté et mat. Waouh. Bon, ça n'a pas l'air mal cette affaire. Ah, je suis peut-être assez contente de moi. C'est souvent, on achète des produits, après je suis déçue. Mais... Là, ça n'a pas l'air mal. Je vais poser ça là. Je suis contente. Donc, comme il y a du procollagène, elle va agir. Donc, la formule enrichie en procollagène agit sur les types de collagène les plus importants. Elle stimule la production naturelle de collagène et redensifie sa structure pour offrir à la peau un effet retenseur. Sa formule unique et aérienne enrichie en pigments micro-minéraux estompe les imperfections et révèle un teint unifié éclatant de beauté au fini mat et naturel. Eh bien, ça, j'ai hâte d'essayer. Waouh, ça promet plein de choses. Ça, je suis contente. Ça peut être utilisé à la place du fond de teint, appliqué chaque matin sur votre visage parfaitement nettoyé. Waouh, ça, je suis contente finalement. Ensuite, j'ai. Ah, si, j'ai trouvé ça. Alors, qui m'en a parlé de cette mousse? Je ne me rappelle plus. C'est de la marque Cattier. C'est une mousse nettoyante pour le visage à la rose et au bleuet qui valait 1,99€. Bon, bah, on va essayer. J'ai pas essayé encore pour tout vous dire. Donc, elle est Cosme Bio. Elle est, enfin, c'est une cosmétique de. Enfin, c'est bio, hein. C'est éco-certes, voilà, donc c'est bio. Et j'ai la folie en ce moment de mes dents. Alors, je vous explique, j'ai eu mal aux dents il y a quelques temps. Et quand je suis allée chez le dentiste, il me dit, bah, c'est vos dents de sagesse. Sauf que moi, mes dents de sagesse sont sorties, mais depuis peut-être mes 18 ans, je sais plus. Et il me dit, ah, bon, vous enquiquinez assez longtemps. Donc, il me dit, si j'étais vous, je les enlèverais. Donc, bah, comme j'avais assez mal, il me dit, je vous laisse pas le temps de réfléchir. Et ping, il m'a endormi, il m'a enlevé une dent de sagesse. Pour tout vous dire, comme il m'a dit que le fait de fumer, c'était pas du tout bon pour les dents, bon, ça je le sais, mais je vais arriver à arrêter de fumer, j'y arrive. Faut que je trouve le bon moment, faut que je sois en condition, vous voyez, comme ça. Voilà. Mais je vais y arriver, j'en suis certaine. Et donc, il m'a suggéré de prendre encore plus soin de mes dents. Alors, je les brosse matin et soir. Et il m'a dit d'essayer d'aller le voir un peu plus souvent pour que lui me les nettoie. Parce que le dentiste les nettoiera, toujours mieux que la brosse à dents quand on le fait à la maison. Donc c'est ce que je vais faire. Mais je suis quand même à la quête du dentifrice qui va faire plein de trucs. Qui va m'aider à les blanchir. Voilà, parce que la clope s'attache, il n'y a pas photo. Et donc, j'en viens au vif du sujet. J'ai acheté des dentifrices. J'ai acheté plein de dentifrices. Alors, je les ai pas tous là. Je sais pas d'ailleurs ce que j'ai fait des autres boîtes. J'en ai pris un de la marque Colgate. Ouais, Colgate, c'est le Max White. J'arrive pas à parler ce soir. Qui valait 1,99€. J'ai pris un signal qui valait 97 centimes. Donc, celui-là, c'était pour les caries, les gencives renforcées, l'anti-plaque, émail renforcé, action blancheur, haleine fraîche, anti-tartre, antibactérien. Enfin, celui-là, c'est la totale. Donc, je vais essayer ces dentifrices-là. Alors, je vous rassure, j'en ai acheté encore d'autres. Oui, tant qu'à faire, on a acheté d'autres, mais je les ai pris ailleurs. Je vais vous montrer ça après. Et pour terminer chez Nose, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est un coffret. Alors je pense que c'est la marque Régine Keva, c'est la beauté par les algues, donc dans laquelle vous avez un bouquin qui vous explique tout ce qui est comment sont utilisées les algues en cosmétique et qui vous explique aussi les recettes pour la peau, les cheveux, le corps, enfin plein de petites choses, je ne l'ai pas encore ouvert d'ailleurs, et avec il y avait une crème de la marque Algotherme. Donc c'est la crème de vie marine qui est enrichie en éléments marins, en algues rouges. Donc elle protège des agressions extérieures, désaltère et assure l'équilibre en eau de votre peau. Légère et fraîche, cette crème appliquée sur le visage et le cou apporte beauté, douceur et éclat de la peau pour un bien-être absolu. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que souvent chez Nose, c'est des trucs qui se périment assez vite. Je me suis dit, mon Dieu, la crème va la tête de Mathusalem. Ma foi non.
puisque je dois l'utiliser avant juillet 2018, donc ça me laisse un peu de temps. Donc je vous reparlerai certainement de cette petite chose qui valait 4,99€, et le prix de base c'était quand même 19,90€, donc c'était pas donné. Mais voilà, donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, une fois étalée chez Nose, je suis allée chez... Je continue avec Action ? Ouais, allez, je continue avec Action. Je suis donc allée chez Action, et là j'ai trouvé, alors, plein de conneries, évidemment. Enfin, pas que des conneries. Si, j'en ai trouvé une qui est de taille. Je vous la montre tout de suite, on commence par ça. Je me suis trouvé un masque en tissu. Alors, je vais le sortir et je vais essayer de le mettre. Qui valait, je ne me rappelle plus le prix. Si j'ai pas acheté mon ticket, je vous remettrai les prix quelque part. Sinon, je pourrais pas le faire. Donc, c'est un masque en tissu tout simple. Alors, il faudrait peut-être que j'enlève l'étiquette blanche qui est là, qui ne va servir à rien. Et j'ai trouvé ça très chic. Très chic. Alors, j'ai essayé de le mettre à peu près bien. Faut que je le fasse descendre un peu, à mon avis. Voilà, voilà ce que ça donne. J'ai trouvé ça classe. Et pour tout vous dire, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, c'est une connerie, on est d'accord. Mais voilà, j'ai trouvé ça mimi. C'est en tissu. C'est pas de la qualité monstrueusement top. Mais c'est pas grave. J'ai trouvé ça mignon. Et je crois que ça valait moins d'un euro. Donc je me suis dit, allez, n'hésite pas, Gaëlle, n'hésite pas. Ensuite j'ai trouvé quelques petits accessoires déco. Alors cette fois c'est plus pour prendre des photos et puis pour que je laisserai quand même en déco dans ma pièce. J'ai trouvé des petites fleurs comme ça par 4. Donc j'en ai pris deux paquets. Donc j'en ai pris une qui sont un peu plus sur les teintes plus rosé violine, et l'autre un peu plus tendre. Voilà. Et j'aime bien m'en servir pour prendre les photos. Je trouve ça mignon. Et j'en ai déjà pris des photos avec. Et voilà, je trouvais que c'était mignon. J'avais envie de fleurs. Et je me suis trouvé un petit bouquet, voilà, alors c'est des fleurs en plastique, hein. Un petit bouquet tout bête, dans les teintes un peu blanc-vert, et voilà, je l'ai trouvé mignon aussi, et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, c'était les bricoles, mais vraiment toutes petites bricoles. Ensuite, je me suis trouvé des semelles en gel, qui sont comme ça. Alors, je vais vous reparler bientôt des chaussettes que j'ai essayées, là, des chaussettes spa, qui sont pas mal du tout. Alors, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ça va du 35,5 au 40,5. Donc, il y en a une paire dedans. Et, que je vous dise pas de bêtises, elles absorbent les chocs et éliminent la pression et la fatigue de vos pieds pendant la marche ou les activités quotidiennes. Étant donné que moi je suis dans des chaussures pas toujours très confortables en semaine et que je suis beaucoup à marcher, en général à la fin de la journée j'ai mon pied, je le sens, il peine surtout au niveau du talon, ça doit faire de la résonance, et je me suis dit après tout pour pas essayer ça. Donc ils amortent le patron, je vais y arriver, d'amortissement offre confort à la balle et au talon de votre pied. Donc grâce au taille indiqué, la semelle peut être coupée à mesure, sur mesure afin qu'elle s'ajuste. Donc voilà, je vais les couper, je vais les mettre dans mes chaussures et je vais voir ce que ça donne. Pour tout vous dire, j'ai hâte d'essayer ça parce que vraiment, quand je marche, je sens que mes pieds, ils en chient quoi. Donc je pense que c'est avec la vieillesse aussi quand même. Ouais, il n'y a pas que la peau, il y a tout quoi, qui part en couille. Mais bon, hein, on va essayer ça, on verra. Ensuite, Ensuite, j'ai trouvé ce petit truc-là. Et j'ai trouvé ça, alors hormis que c'était tout petit et mignon, hein, bon, enfin tout ce qui est petit et mignon, je l'achète pas. Et en fait, je vais y mettre mes écouteurs de téléphone dedans, parce que je les fous tout le temps en vrac et il y a des nœuds, enfin c'est la misère. Ou alors je les paume, je les retrouve plus, je sais pas où je les ai mis. Donc là, au moins, vu la taille de la boîte, je ne devrais pas les perdre tout de suite. Et puis, ils seront peut-être un petit peu mieux rangés. Il y en avait des ronds, mais j'ai préféré prendre celui-là. Je trouvais que c'était mignon, voilà. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, et il y avait en plus un petit peu de make-up. Alors, j'en ai pas pris beaucoup, mais j'ai pris à long lasting. D'un côté, vous avez le stick. De l'autre côté, vous avez le lip gloss en teinte rose 343. Alors ça a coupé tout à l'heure, donc j'avais déjà fait le swatch du gloss et il me reste à vous faire le swatch du raisin, du rouge à lèvres. C'est une jolie couleur, je pense que c'est une couleur passe-partout pour toute la journée, vous voyez, je pense que c'est pas mal pour toute la journée. Et par dessus vous pouvez ou pas mettre le gloss. Donc on va attendre qu'il sèche, on va voir. Bon, le gloss devrait s'enlever, on va voir si l'autre tient ses promesses aussi, s'il est super long et tout ça. J'ai retrouvé, parce que j'ai bien aimé l'autre blush,
de la marque DB Blush. Donc cette fois c'est la couleur Pink 030. Et j'ai bien aimé le corail en fait, que je mets assez souvent. Parce que je le mets tous les jours en fait. Mais il faut pas le dire parce qu'à mon boulot, il croit que je ne maquille pas. Et non, je déconne. Donc et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'autre. Et dans le coup, comme je les trouve en rose, je l'ai pris en rose. Donc hop, faut que j'arrive à l'ouvrir. Donc packaging est comme ça. Et je vais. Ah ouais, c'est rose. Je vais le mettre là. Par contre, ça a l'air de pas trop mal s'estomper. Par contre, c'est rose rose. Hein. Je sais pas, il est là. Il est là, j'espère que vous le verrez. C'est rose rose. Hein. C'est rose rose. À essayer. L'autre me plaisait pas, puis finalement il me plaît bien. Donc ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je vais réessuyer mes mines. Ensuite, au niveau soin, j'ai trouvé enfin. Ah oui, parce que ça j'ai galéré à les trouver. Bon, je retrouve pas les lingettes qui se lavent là, j'en trouve pas, c'est mort, donc j'ai abandonné. Par contre, j'ai trouvé les masques en tissu. Et j'ai pris tout ce que j'ai trouvé en fait. J'ai dévalisé le rayon. Tout le monde en parle tellement, je me suis dit, faut que j'essaye, ça se trouve, c'est vachement bien. Donc, enfin, j'ai dévalisé le rayon façon de parler. J'en ai pris deux qui sont à. Enfin, qui sont comme ça. J'en ai pris deux. Donc, ceux-là, ce sont. Ils sont à l'extrait de rose sauvage et à la vitamine C stabilisée. Ils aident à améliorer l'éclat naturel de la peau. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Je vais mettre dans le sac. Ensuite, j'en ai pris deux, cette fois à l'extrait d'avocat et au collagène, donc qui aide à minimiser la formation des fines ridules. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et apparemment, on les pose 20 à 30 minutes. Il faut les rincer. Hop. Ensuite, j'en ai pris deux autres qui étaient à l'extrait de grenade et à l'acide hyaluronique. Ça, j'adore l'acide hyaluronique. Donc qui a un effet hydratant pour une peau lisse et souple. Pareil, hein, ils tiennent 20 à 30 minutes. Évidemment, on applique ça sur peau nettoyée. Et le dernier, parce qu'après j'en avais qu'un, c'est celui à l'extrait de vin et au dérivé de rétinol, donc qui aide à minuer les signes prématurés de l'âge. Donc autant dire que ça, il n'y en avait plus, évidemment il n'y avait plus qu'un, hein, parce que moi il m'en faudrait peut-être 4, ça se trouve, pour diminuer les signes de l'âge. À voir, j'essaierai, je vous en dirai des nouvelles. J'ai continué dans ma quête du dentifrice, donc cette fois là-bas j'ai pris le Vademecum. Pro blancheur intense pour des dents blanches plus longtemps, il élimine jusqu'à 90% des taches et jusqu'à 12 heures de protection blancheur, et il est à l'extrait de lotus blanc. Donc j'ai ces dentifrice, de toute façon je vais vous faire une revue dentifrice à mon avis, je vais être obligée. Et ensuite niveau papeterie, j'ai pas trouvé grand chose, il y avait des restes de la Saint-Valentin, et j'ai pris ce petit set là qui est tout bête en fait. Vous avez alors je l'ai principalement pris pour les étiquettes qui sont par ici, et vous avez quand même des petites paillettes en forme de cœur, des cœurs un petit peu plus gros, enfin voilà, je trouvais ça sympa toujours pour prendre mes photos. Voilà, j'aime bien ce genre de déco, je trouve que ça fait un effet sympa quand on prend une petite photo et qu'on veut la poster sur les réseaux sociaux. Et pour terminer, donc j'ai fait une petite commande sur Beauté Privée, ça fait maintenant peut-être un mois, oui ça fait un mois, et donc c'est là que j'ai démarré ma quête de mes dents, la blancheur de mes dents. J'ai pris un, alors c'est un dentifrice, mais c'est une gelée dentaire en fait. Donc c'est un gel de dentifrice pour des dents blanches, donc c'est le Mira White gelé. Alors je sais pas s'il existe toujours, c'est de la marque Miradent. Je regarderai si j'ai le lien, je vous le mettrai sur les réseaux sociaux. Et en fait ça enlève les décolorations qui sont en surface des dents, donc comme la nicotine, le vin, le thé, etc. Et il y a également du fluor qui protège contre les caries. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et en fait, quand vous. Alors je l'ai déjà essayé moi celui-là. Et quand vous brossez les dents, vos dents elles sont. Ouais, ils le mettent, hein, que ça polie les dents. C'est vrai que ça polie les dents. J'avais mes dents qui étaient toutes douces, mais bien plus douces qu'à d'habitude. J'avais plus l'impression d'avoir des petites irrégularités sur mes dents. J'ai trouvé ça génial. De vous à moi, c'est. Et j'ai pris ça. J'ai pris ça. C'est le Blue Light de la marque Rio. Donc c'est un appareil qui va aider à blanchir les dents. Si je ne me trompe pas. C'est un blanchiment accéléré des dents à la maison. Surtout quand c'est taché par le tabac, machin, tout ça. Enfin, ça je vous l'ai déjà dit pour l'autre. Et alors ça, j'ai pas essayé. J'ai hâte d'essayer. Et je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur quand même. Vous avez un appareil comme ça avec une espèce de gouttière. Et vous avez des seringues de gel. Alors vous mettez le gel dans la gouttière,
mettez ça dans la goule et vous appuyez sur le bouton. Et vous voyez, ça s'allume en bleu. Voilà. Donc là, il est allumé, je vais attendre qu'il s'éteigne. Alors, je vais voir si ça marche. Si ça marche, je vous en reparlerai de toute façon. Et je vous dirai si voilà tous ces trucs-là, ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas. Et je crois que chez tout. Je crois que chez tout, je n'ai rien oublié. Ah, si, j'ai oublié un truc chez Action. Je suis bête. Elle est devant moi. Je vous ai montré il y a quelques temps une super couverture blanche toute douce que j'avais achetée. Bon, ben, il y avait une promo, il y avait la même en noir. Alors, je l'ai prise en noir. Elle est, non, elles sont super ces couvertures. Elles sont toutes douces. D'ailleurs, la blanche est derrière moi. J'adore la mettre là. Parce que quand j'ai froid, je la mets sur mes genoux. Mais je l'ai prise en noir quand même. Et je la trouve topissime. Voilà. Et je pense qu'elle va venir recouvrir mon siège tout pourri qui est là-bas. Parce que vraiment, il m'exaspère ce siège. Il est mort. Et je pense que le noir, ce sera très bien pour le cacher. Et je m'en servirai aussi pour prendre des photos. Pourquoi pas à l'occasion. Donc voilà, on revient sur le rouge à lèvres long lasting là. Bon bah c'est mort. C'est pas long lasting. Ça, c'est du gloss. Donc ça reste, voilà. Je sais que ça marche pas. Et il est pas long lasting. Hein. Je vais l'enlever. Regardez, juste en frontal avec mon doigt, j'ai presque plus rien. Donc non, ce n'est pas long lasting. Donc je vais l'essayer quand même. Mais à mon avis, c'est un gros flop. Je pense. À voir, je vous en redirai des nouvelles de toute façon. Donc sur ce, ma vidéo haul est terminée. Je vous remercie évidemment d'être de plus en plus nombreux à me regarder, ça me fait toujours très plaisir. Je vous le dis à chaque fois, mais vraiment je le pense. Et puis évidemment, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.